Les premiers gestes d'Emmanuel Macron comme président ont été consacrés aux armées en général et aux OPEX, les opérations extérieures en particulier, puisqu'il a débuté son quinquennat en se rendant au Mali à la rencontre des soldats de l'opération Barkhane. D'où notre envie de nous interroger aujourd'hui sur ce monde-là, ce monde des OPEX, au moment où certains soldats reviennent en France, en compagnie de Pauline Maucor, qui a consacré un ouvrage qui récolte et met en scène des témoignages de soldats ayant participé en Afghanistan, au Mali ou en Centrafrique à ses opérations extérieures. Un livre qui s'intitule « La guerre et après, trois points de suspension » et qui est publié aux Belles Lettres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, notamment à la radio, documentariste, et ça fait un moment en fait que vous vous intéressez aux traces que laisse la guerre sur ceux qui la font, dans différents travaux radiophoniques dont on entendra tout à l'heure quelques extraits. Mais auparavant, pour présenter un peu la démarche de l'écriture de ce livre, dans l'introduction, vous comparez finalement l'euphémisme qui a été pendant longtemps les événements d'Algérie, pour désigner la guerre qui s'est déroulée là-bas entre 1954 et 1962, aux OPEX. On dit même plus opération extérieure, on dit OPEX, un terme un peu technique. Qu'est-ce qui justifie ce parallèle que vous faites ? Moi, c'est en 2008, suite à l'embuscade d'Usbin en Afghanistan, que j'entends parler de guerre, la France est en guerre. Usbin, où 10 soldats français sont morts. Exactement. Et c'est la première fois où les médias français posent le mot de guerre, la France est en guerre. Et ça m'interroge pourquoi jusqu'à maintenant, est-ce qu'on ne mettait pas le mot? Et puis, beaucoup plus récemment, le président de la République, François Hollande, suite aux attentats du 13 novembre, déclare la France est en guerre contre le terrorisme. Et en fait, moi, ce qui me questionne à chaque fois, c'est est-ce qu'on se rend bien compte, nous, citoyens français, que la France est en guerre, étant donné qu'elle est loin géographiquement, elle est loin dans le temps? Que veut dire être en guerre pour notre pays aujourd'hui? Et c'est ça que je vais essayer d'aller chercher, en fait, à travers l'expérience racontée de ces soldats, à travers leurs sensations, leurs souvenirs, ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Je cherche à ce qu'ils mettent des mots pour qu'on puisse se rendre compte de concrètement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire la guerre, être en guerre. Et il me semble que c'est important, en fait, de donner la parole à ces hommes, ces femmes qui font la guerre en notre nom, parce que suite à la guerre d'Algérie, notamment, il y a eu un silence de la part des personnes qui l'ont faite, cette guerre. Et il me semble que 50 ans après, on est toujours dans le même cas. C'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout la même guerre, les mêmes terrain, mais les mêmes enjeux. Mais il n'empêche que sur la prise de parole publique, elle est toujours absente ou très difficile. Oui, alors justement, parce qu'une des autres grandes différences entre l'Algérie et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était le contingent. Là, c'est pas des appelés, c'est des professionnels. Comment vous les avez rencontrés et fait parler? Il n'y a aucun devoir de réserve, même après les opérations? Parce qu'on a des descriptifs très précis dans ce livre. Oui. Bah, si, justement, en fait, donc du coup, je ne suis pas du tout passée par le service de presse ou de communication des armées, le CIRPATER, parce qu'il me semblait que, de toute façon, c'était perdu d'avance. Et c'était aussi beaucoup pour protéger les personnes qui allaient témoigner, parce que ce qu'elles racontent, en effet, c'est des choses pas forcément glorieuses, parfois même à la limite du légal ou du condamnable, du point de vue de la justice. Et donc, en fait, la plupart des témoignages sont anonymes et je les ai rencontrés soit sur des terrains de reportage où je voyais passer un militaire parce qu'il était en train de sécuriser la zone, en France, dans des aéroports, dans des gares. Je les ai rencontrés aussi en passant par des cabinets d'avocats qui défendaient leurs droits face à l'institution ou face à leur assurance militaire qui n'avait pas bien géré leur cas et d'indemnisation. Je les ai rencontrés aussi à travers des cabinets de réinsertion professionnelle, d'officiers notamment, une fois qu'ils sortent de l'armée, comment est-ce qu'ils retrouvent du travail. Donc je suis passée par ce genre de cabinet. Et puis, par réseau aussi, d'amis. Est-ce qu'il est possible de repérer, alors c'est évidemment pas exhaustif le travail que vous avez pu faire, mais des régularités dans ce que la guerre fait aux individus, ou est-ce que les expériences sont trop singulières pour ça? Le point commun, c'est que tous, déjà,
Ils m'ont annoncé que ça allait être très difficile pour eux. Ils avaient envie d'en parler, mais ça allait être très difficile pour eux d'en parler parce qu'ils estiment que personne ne peut comprendre ce qu'ils ont vécu à part des gens qui ont vécu les mêmes choses qu'eux. Et donc, cette méfiance de ce qui va être fait de leurs paroles, ça, c'est le premier point commun à toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Ensuite, sur les effets de la guerre, eux, comme les psychiatres, disent quand on revient de la guerre, on est forcément changé. On ne retrouvera jamais sa vie d'avant, quel que soit le traumatisme, quelle que soit la blessure. C'est une expérience de confrontation à la mort, celle du camarade, le risque de la mort pour soi-même, qui fait que tout est bougé, tout est bouleversé. Et après, pour chacun d'entre eux, certains considèrent que ils sont revenus avec un syndrome de stress post-traumatique. Certains ont été diagnostiqués, en fait, par des psychiatres. D'autres, non, mais ils admettent que oui, ils sont atteints psychologiquement. D'autres sont plutôt dans le déni. Mais ce qui est sûr, c'est que pour toutes ces personnes, en fait, il y a à chaque fois quelques symptômes du syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire les rêves, les cauchemars, une obsession pour la propreté, le rangement. Tous parlent de ce repli sur eux-mêmes, en fait. Ils se replient sur eux, ils perdent confiance dans leurs amitiés, dans leur famille, et ils se sentent très seuls. Le sentiment de solitude, je crois, en fait, c'est ce qui est vraiment partagé par toutes ces personnes qui sont allées sur le terrain faire la guerre. Un autre sentiment, mais qui est proche de celui-là, c'est le sentiment d'abandon ou au moins de manque de reconnaissance vis-à-vis de la nation, en fait, de ce pourquoi ils se sont battus. Mmh. Alors que pourtant, on a l'impression, c'était vrai avec François Hollande, c'est encore vrai avec Emmanuel Macron, que tous les présidents, les chefs d'État mettent en scène leurs soucis, leurs préoccupations vis-à-vis des soldats. Ouais. Comment ça se fait du coup qu'ils aient ce sentiment ? Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, ils m'ont expliqué qu'il y avait un grand fossé entre l'image qu'on attend d'eux, que les médias, les politiques veulent donner des militaires, des soldats français, et la réalité de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils vivent encore. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on attend d'eux qu'ils soient des héros, qu'ils soient forts, sûrs de ce qu'ils ont fait, qui tiennent un discours très lisse sur la guerre, un discours, oui, de héroïque. Or, eux, ils reviennent avec beaucoup de honte, parce qu'il y a eu beaucoup de moments où ils se sont sentis incapables, où ils ont douté de leur engagement sur le terrain, de leur... Ils se sont sentis manqués, en fait, à leur mission, et ils reviennent aussi avec tous ces cauchemars, ces peurs, et donc ils ne se sentent pas du tout l'étoffe du héros. Et je pense que, ça, d'après ce que j'ai compris, oui, ça provoque une haine, voire une grande méfiance, en fait, à l'égard des politiques ou des médias. Plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils en voulaient beaucoup aux politiques qui les projettent sur le terrain, qui prennent des décisions d'engager la France. D'après ce qu'ils m'ont dit, les politiques ne se rendent pas compte de ce que c'est la guerre, de ce que veut dire faire la guerre, et prennent des décisions un petit peu comme ça. Ce qui a souvent été le lien entre le politique et le militaire. Ouais. Mais j'imagine que y a quand même... Parce qu'effectivement, là, on découvre dans le livre... finalement, le côté très humain, enfin voilà, ce que ça fait un humain comme vous et moi, d'une certaine manière, de se retrouver projeté dans un terrain de guerre, alors qu'on imagine des professionnels, à la fois ils sont très entraînés, on comprend. Il y a une question qu'on se pose, est-ce qu'il existe une manière française, puisqu'on parle des liens avec les politiques, avec le monde militaire, alors vous n'avez pas récolté certains témoignages, mais ce n'est pas infini, mais là on est dans autre chose que dans la doctrine, on est dans la pratique de la guerre. Est-ce qu'il existe une manière française de faire la guerre ? Il y a un de vos témoignages où c'est étonnant, il parle de French Touch. C'est le psychologue des armées, ouais, qui parle de French Touch. Et oui, ils sont plusieurs à parler de ça. Contrairement aux Américains qui, quand ils sont sur le terrain, vivent dans des bases et ne sortent que... pour des missions bien précises, donc finalement sont très peu en contact avec la population.
L'armée française, elle, dans ses habitudes et dans ses manières de faire, en général, elle est beaucoup plus en contact avec la population et donc elle est sur le terrain, elle est dans la rencontre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, pour les militaires qui ont fait l'Afghanistan, était parfois difficile à gérer parce qu'ils se sentaient, comme ils étaient sous mandat de l'OTAN, donc c'était les États-Unis, enfin l'armée américaine qui organisait le terrain, eux, ils se sentaient un peu parfois enfermés dans ces grosses bases américaines. Et voilà, le contact avec la population manquait un petit peu pour certains. Alors je le disais en introduction, votre livre il est issu en grande partie d'un travail au long cours de témoignages et de reportages et de documentaires radiophoniques. Je vous propose, notamment pour France Culture, je vous propose qu'on écoute un premier extrait. C'est le témoignage, un tout petit extrait du témoignage de celui que vous appelez le Marsouin blessé. Mais il y a quand même un truc en particulier qui me blesse beaucoup, c'est les rêves que je fais depuis, et notamment un. Ce rêve, il se passe dans ce village en Afghanistan où j'ai été blessé. Sauf que là, cette fois, moi, je suis super tranquille. En fait, c'est moi qui mène la danse. Je me promène dans le village et je tire dans tout ce qui bouge. Les femmes qui portent de l'eau, les enfants qui jouent, les gens qui sont en train de travailler. Je tue tout le monde. Il y a du sang partout, c'est super gore. Mais moi, je suis calme. Je continue mon chemin, mon petit bonhomme de chemin dans mon village et je tue tout le monde. Jusqu'à ce qu'enfin, il n'y ait plus personne. Jusqu'à ce qu'enfin, je puisse retourner dans mon véhicule blindé, rejoindre les copains. Leur dire c'est bon, c'est fait, tranquillement, on peut y aller. Et on s'en va. Quand je fais ce rêve, ce qui me fait peur, malgré le fait que je sache que ça fait partie de mon syndrome de stress post-traumatique, malgré le fait que je sache que jamais dans la vie j'aurais tiré sur des femmes et des enfants, ce rêve il est tellement en contradiction avec ce que je faisais quand j'avais 12 ans que c'est comme une blessure de plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui était ce Marsouin blessé et pourquoi est-ce que, parce que là, donc là, il raconte un rêve, mais c'est pas le seul, hein, il y a beaucoup de rêves dans ce livre. Pourquoi est-ce que vous en êtes souvent passé par les rêves pour atteindre la réalité de ce que ces soldats avaient vécu sur les terrains extérieurs et notamment en Afghanistan? Donc ce jeune Marsouin blessé, c'est un militaire donc des troupes de marine qui a pris une balle donc en Afghanistan au cours d'une mission, a reçu une balle dans son bras et donc depuis et voilà, a un peu perdu l'usage de son bras. Il raconte à la fois son engagement et tout ce que ça a provoqué pour lui, cette blessure. Notamment, il s'est senti un petit peu mis à part du groupe qui était si important pour lui, du groupe de ses frères d'armes, quoi. Et alors, pourquoi je travaille autour des rêves avec les militaires, c'est que c'est une façon pour eux de revivre certaines scènes traumatiques et pour moi de recueillir des informations, en fait. Par exemple, un des symptômes du syndrome de stress post-traumatique, c'est les réminiscences. Elles sont soit diurnes, pendant qu'ils sont en train de vivre, de parler avec quelqu'un, tout d'un coup, ils peuvent être soumis à un flash qui les projette, en fait. Oui, il y a un témoignage vraiment sur le fantôme, notamment un sniper, enfin un tireur d'élite qui a tué quelqu'un, qui voit sans arrêt le flash de la personne qui l'a tué. Enfin, ouais, qui revient sans arrêt. Qui revient sans arrêt le faire disjoncter de la réalité. Ou alors, ça peut se produire la nuit aussi, des rêves, des cauchemars récurrents qui reviennent sans arrêt et qui tournent en boucle autour d'une scène traumatique. Et donc au départ, pour moi c'était compliqué de dire bon, racontez-moi ce que vous avez fait sur le terrain. Vous avez tiré sur quelqu'un? Ça c'est la question que détestent tous les militaires. Et donc une façon de raconter la guerre, c'était de passer par les traces, les échos que le terrain avait fait et qui étaient toujours présents dans la vie quotidienne des années, des mois après. Et donc, de raconter le rêve, c'est une façon de parler du terrain plus les conséquences. Et après, pour le livre, en fait, je partais beaucoup des rêves, des cauchemars. Et après, j'essayais de voir en quoi ça correspondait à la réalité et ce qui avait été inventé, redigéré par le cerveau, enfin les émotions, le psychisme. Alors on écoute un deuxième extrait d'une deuxième histoire, on est toujours sur France Culture mais cette fois-ci dans l'émission Création On Air, c'est l'histoire de Frédéric qui est lui un soldat qui
parle du retour et de la manière dont il n'a pas été accompagné pendant son retour, et à chercher du côté des bols tibétains et des massages aux pierres chaudes une manière de, d'oublier, en tout cas de réparer ce qu'il avait vécu sur le terrain. C'est là où, ce que je disais au psychiatre, je peux aller être dans, dans le don de moi pour sauver, enfin sauver, donner ma vie pour quelqu'un, jusqu'à l'autre extrémité de prendre une vie. C'est-à-dire ? Mais jusqu'à la, donner l'amour. Voilà. C'est, voilà, il y a ces deux limites-là. Donc je sais qu'il faut être au milieu, mais dans un état où, à partir de, du moment où il y aura la, la vie en jeu, ma vie en jeu ou quelqu'un de ma famille, aller à l'extrémité, je n'aurai pas un problème de conscience à ce moment-là, même en France. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai expérimenté à l'étranger ? Voilà. C'était une question restée sans réponse du psychiatre. C'est-à-dire que vous vous sentez encore capable de tuer aujourd'hui ? Ah mais je ne me sens pas, je suis capable. Je suis conscient que si on vient atteindre mon physique ou quelqu'un de ma famille, je sais jusqu'où je peux aller et jusqu'où j'irai. Vraiment un petit extrait, hein. J'encourage les gens à soit écouter l'émission sur France Culture, soit lire le chapitre que vous consacrez à ce témoignage qui est sans doute un des plus saisissants. Est-ce que l'histoire de Frédéric est emblématique de la manière dont l'institution militaire prend en charge ou ne prend pas en charge le retour de ses soldats ? Alors emblématique, je ne sais pas, mais il est vrai qu'ils sont plusieurs à m'avoir dit qu'ils avaient des difficultés à trouver un psychiatre qui les comprenne, que ce soit dans l'institution ou à l'extérieur. Alors l'armée française, en fait, elle reconnaît le syndrome de stress post-traumatique depuis 1992 et elle a mis un plan de prévention et d'accompagnement à partir de 2011. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des chiffres qui sont apparus et notamment en Afghanistan, le chiffre officiel, c'est qu'il y a 8% des soldats qui sont intervenus en Afghanistan qui ont déclaré un syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué. En Centrafrique, le chiffre officiel, il est passé à 13%. Donc on peut se dire que c'est le terrain qui est peut-être un peu plus traumatisant, mais on peut se dire aussi que c'est parce que plus on va surveiller, repérer les militaires atteints du syndrome, et plus les chiffres vont augmenter. Aux États-Unis, le chiffre officiel, c'est de 30% de soldats qui reviennent avec un syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué. Or, les soldats américains en Afghanistan ont fait le même terrain que les soldats français. Donc on peut aussi s'interroger. Une question de repérage. Voilà, de repérage. Mais en même temps, il y a dans un des témoignages que vous avez, quelqu'un dit que quand même le suivi est mieux assuré en France qu'aux États-Unis pour les soldats. Alors que pourtant, on repère moins le syndrome post-traumatique. Il est mieux assuré parce qu'en fait, l'institution française prévoit un suivi, notamment avec la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, donc un suivi psychosocial pour tous les blessés, qu'ils soient physiques ou psychiques. Et il y a tout un système de retraite aussi pour l'armée française qui n'est pas du tout le même aux États-Unis. Il y a beaucoup de vétérans aux États-Unis qui se retrouvent à la rue, en fait, une fois qu'ils sont sortis d'institutions militaires. Tandis qu'en France, voilà, ils sont quand même moins... En fait, c'est le système social français qui est meilleur. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est proposé et ce sur quoi communique l'armée française... Ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas parce que déjà, très peu sont repérés. Très peu de soldats blessés psychiquement sont repérés. Beaucoup sont lâchés dans la nature, en fait, parce que beaucoup démissionnent, en fait, quand ils rentrent en France et se rendent compte que ce pourquoi ils se sont engagés ne correspond pas du tout à la réalité et qu'ils se sentent avoir trahi les compagnons d'armes, tout ça. Enfin, en fait, ils se posent pas, ils démissionnent. Oui, ils disparaissent un peu dans la nature, voilà. Mais avec des fois des envies de tuer, enfin des potentiels, exactement. Envies et capacités à tuer. Voilà, et en fait, on ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas où ils sont, comment ils vivent les choses. Alors, faute de effectivement, prise en charge institutionnelle, en tout cas toujours cohérente ou toujours pour tout le monde, ce qu'on voit dans votre livre, c'est que beaucoup de soldats de retour
bricolent leur propre manière de rentrer, parfois de manière assez inédite. Je vous propose d'écouter un dernier témoignage. On est toujours sur France Culture et on revient dans l'émission Les Pieds sur Terre. Un témoignage qui, je précise, n'est pas dans le livre, mais qui aurait pu l'être. J'estime que ce que j'ai fait pour défendre les valeurs de mon pays, tout le monde ne l'aurait pas fait, quoi. Parce qu'il faut quand même une bonne paire de couilles au cul, quoi. J'ai fait un truc en plus par rapport aux autres. Et j'aimerais que ce soit plus remarqué. Donc moi, ma reconnaissance, je vais la chercher dans le civil et dans les milieux dits échangistes. Ouais, j'ai trouvé chez ces gens une reconnaissance que jusqu'alors, à l'armée, j'ai pas. Et puis, en fait, le fait d'aller dans ces clubs, je dirais que ça a fait comme un espèce d'amortisseur naturel. C'est-à-dire que je me suis bien éclaté, ça m'a fait penser à autre chose. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai pas eu le besoin de passer par un psychologue. Parce qu'il y a des couples qui sont intéressés par ce que vous faites. Ah ben t'as fait l'Afghanistan, machin, alors ça s'est bien passé, machin, ça s'est passé comment? Ils te posent des questions sur ce qui se passe là-bas, on discute, et puis je connais un mec, il a combattu en Afghanistan, il m'a raconté son histoire, c'était poignant, quoi. Bon, on a fait quelque chose avec, on a baisé avec, machin. Donc en fait j'ai fait ma thérapie un petit peu comme ça, en parlant avec tous ces gens, mes partenaires sexuels, ça m'a fait tout simplement décompresser et passer la pilule. Alors c'est rassurant de se dire que l'échangisme peut servir à compenser ce que l'institution militaire ne procure pas, mais on voit bien que des fois les automédications sont quand même plus compliquées. Comment est-ce que les soldats gèrent leur retour quand ils sont hors du cadre institutionnel? Je n'ai pas la réponse en fait, j'ai que des exemples très précis comme ça en effet de militaires qui trouvent des manières de survivre, de pas trop mal vivre les symptômes. Parfois, ils sont aidés un peu par leur entourage, leur famille, mais souvent, c'est plutôt le contraire. C'est la famille qui explose. Qui ne peut pas faire place à l'expérience de la guerre en son sein, c'est ça? C'est ça. Et en plus, ils sont plusieurs, en fait, père de famille à m'avoir raconté des accès de violence en fait sur leur épouse ou sur leur enfant et des choses qu'ils ne voient pas venir en fait, c'est très soudain, il y a une pulsion comme ça de violence physique en fait sur l'enfant ou sur l'épouse et en fait ça les détruit totalement quoi, ils se sentent extrêmement coupables de ça et ils ne savent pas comment s'en sortir, il y a une grosse honte autour de ça quoi. Donc un papa qui va tout d'un coup se rendre compte qu'il est en train de secouer son fils pour une broutille et il s'en rend compte au moment où il est en train de le faire en fait. Il y en a qui pensent à repartir dans ce cas? Alors oui, il y a une des solutions que certains trouvent, c'est d'enchaîner les missions, d'enchaîner, parce que comme ça, ça leur permet de ne pas rester trop... De ne pas faire de vrais retours en fait. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, parce que sur le terrain, il y a quand même quelque chose de commun aussi à toutes ces personnes qui font la guerre, c'est que y a, sur le terrain, il y a quelque chose de très très fort qui se passe, quelque chose qui donne un sens à la vie qu'on n'a pas au quotidien, dans un quotidien plus tranquille en France. Voilà. Et donc, il y a aussi cet attachement très très fort entre frères d'armes qu'ils ne retrouvent pas quand ils rentrent en France. Et donc le fait d'enchaîner les missions comme ça, ça leur permet d'être toujours dans une vie à 100 à l'heure, quoi. Une vie où il y a beaucoup d'adrénaline, où on ne sait pas le soir si on sera toujours en vie. Et ça permet de ne pas se poser les questions qu'on se poserait en rentrant, quoi. Votre livre, il est beaucoup consacré au retour lui-même, mais il ouvre sur l'après-retour, enfin la guerre et après. Et notamment, par exemple, dans le chapitre qui est consacré au journal du capitaine, à la reconversion professionnelle. Est-ce qu'ils trouvent à se réinsérer, les soldats qui reviennent, par exemple, d'Afghanistan? Et si oui, où? On se demande un peu. Difficilement, très difficilement. Donc, les soldats qui n'étaient pas très gradés, les premières classes, les caporaux... Souvent, ils se réinsèrent dans des petits boulots de sécurité.
Donc voilà, des gardiens de lieux, avec des chiens parfois. Enfin, mais ça, c'est parce qu'ils ne trouvent rien d'autre, en fait. Parce que souvent, ils se sont engagés dans l'armée parce qu'ils, à défaut d'autre chose, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Parfois, ils ont le bac, parfois non. Et ils se sont formés un petit peu à l'intérieur. L'armée a assuré une formation. Mais quand ils sortent, en fait, cette formation, elle n'est pas reconnue. Pour les officiers qui, eux, ben voilà, ont plus de formation, ont commandé des centaines d'hommes... Et c'est la même chose, ils ont autant de difficultés à se réinsérer et c'est pour ça que donc il existe des... Il y a ce capitaine dont je parlais qui à qui on explique que alors qu'il a commandé plus d'une centaine d'hommes en Afghanistan, il a pas des légionnaires et qu'il a pas d'expérience de management. Voilà. Et parce que son expérience, elle est incompréhensible, en fait, pour une entreprise. En même temps, ça ne marcherait peut-être pas, effectivement, pareil, dans une entreprise. Je ne sais pas. Lui, il semblait dire que si, il se sent les épaules. Et puis d'ailleurs, maintenant, il a trouvé du travail et ça se passe très bien pour lui. Mais c'est vrai que l'expérience militaire est incompréhensible pour le milieu de l'entreprise, quoi. Donc du coup, ils ont vraiment beaucoup de mal à trouver, quoi, du travail. La guerre et après, merci Pauline Mocquerot, c'est publié aux éditions des Belles Lettres et sur le site de France Culture, on trouve aussi vos différents documentaires radiophoniques qui ont été à l'origine de ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous.